La liberté de la presse en France, c'est pas vraiment ça, c'est ce que nous dit Lamit en commentaire, et cette personne a tout à fait raison. Dans le classement 2021 de Reporters sans frontières, la France, qui est la 7e puissance économique mondiale quand même, termine 34e. Et le texte qui accompagne ce classement, qui est quand même très très bas, est quand même assez explicite sur les raisons qui font que la France est si mal classée. Reporters sans frontières nous cite par exemple les violences policières que subissent certains journalistes, la confiscation de leur matériel ou des arrestations qui n'ont pas lieu d'être. Dans le journalisme d'investigation, on a aussi eu des gens qui ont été convoqués par les autorités françaises pour notamment révéler leurs sources, alors que le secret des sources, c'est quand même un truc fondamental dans le journalisme. Enfin, la dernière raison, c'est que Reporters sans frontières pointe la concentration des médias, et notamment dans les mains de secteurs industriels qui ne sont pas ceux des médias. Notamment le secteur des télécommunications, le secteur des transports ou le secteur de l'armement, qui possèdent certains médias en France. Cette situation favorise les conflits d'intérêts et nourrit la défiance. Bref, finalement, que ce soit moi, ou vous, ou Reporters sans frontières, on est tous à peu près d'accord, il y a quand même un sacré problème au niveau médiatique français.